Bonjour, bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ben voilà, je vous fais une petite vidéo. Pourquoi ? Pourquoi, d'après vous ? Eh ben écoutez, c'est pour d'abord vous remercier, tout d'abord d'être là, de vous abonner, de regarder les vidéos, de liker, tout ça. Ça fait vraiment plaisir, je suis content que la chaîne prenne un peu d'ampleur, ça commence à monter, c'est bien. Et puis aussi vous souhaitez une très bonne année 2020, beaucoup de bonheur, la santé, la famille, l'argent, voilà, enfin ce qui compte c'est la santé et la famille, hein, c'est le plus important. Et la hi-fi aussi, surtout de la hi-fi, beaucoup de matériel. Non, ça c'est moi là, c'est un peu le fanatique là qui parle. Non, non. En fait voilà, bah, je suis content du résultat de la chaîne. Donc là pour vous remercier, tiens, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une caméra avec deux micros, donc bidirectionnels. Donc c'est la Zoom Q8, pour ceux qui connaissent pas, voilà, bah, je vous invite à la découvrir, cette petite caméra qui est très pratique. Au niveau de la prise de son, c'est top. Ça n'a rien à voir en fait avec le portable, parce qu'avant, regardez avec quoi je faisais mes vidéos. Putain, j'ai flippé. Avec ça, un petit portable. Bon, c'était un HTC, c'était bien, mais au niveau de la prise de son, je suis dégoûté. Regardez, j'ai fait 150 vidéos où le son, ça passe un peu à la trappe, on va dire. Parce que c'est une qualité pourrie du téléphone, quoi. Faut se le dire. Et j'aurais dû écouter les conseils de certains beaucoup plus tôt. Donc merci de m'avoir aiguillé. Bon, après, on apprend de nos erreurs petit à petit, hein. Donc ça, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, ouais, que par rapport à la prise de son, là en fait avec les micros, vous allez bien entendre les différences et ce sera beaucoup plus agréable à l'écoute. Ça va pas être criard parce qu'il y a des vidéos que j'ai écoutées sur mon système. J'ai fait, putain, c'est pas possible, le son il était pas comme ça de base quand je l'écoutais. Donc c'est pour ça que je vous disais mon ressenti de base, c'était ça qui était le plus important. Et il fallait pas prendre en compte trop la prise de son au téléphone, quoi, c'était pas top. Donc voilà, mais je m'excuse encore pour la qualité de son du téléphone. Donc voilà, et puis bah, écoutez, j'ai tâché de faire plus de vidéos maintenant. Vous voyez, le trépied c'est posé, c'est calé, c'est carré, on est là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Et puis bah, suite à de nouvelles aventures, hein, là je pense que ça va être pas mal, les comparatifs. Je pense que le prochain comparo ça va être les Magnates avec les Infinity SM155. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, bisous à tous.